N'a pas salué tout le monde qui est en branché émission ça, émission La Santé à votre portée. Une émission que tout staff l'hôpital Notre-Dame SA mettait sous pied pour permettre à la population d'arrêter de connecter avec la santé. N'a fait nous songer que l'hôpital a école dans deux départements dans le pays, dans Sid, Okaï, Koleli, Claudie Mizoa, route nationale numéro 2, dans Latibonite, Gonaïve, Gatro, rue Elle et Lui numéro 11. Pas oublier, émission ça passe chaque vendredi 8h-9h PM, chaque dimanche 5h-6h, yo rediffusé sous chaîne 16 Télé Hirondel. Non pam, c'est Wanyak Samantha. Jodi a, nous pral parler nous de un sujet qui très important qui c'est infection vaginale avec docteur Guerre qui c'est obstétricienne gynécologue dans l'hôpital Notre-Dame SA. Bonjour madame François. Bonjour doc. Chitano. Merci. Donc madame François, comment est-ce matin même? Ah, bah bon même doc. Ça qui passe, parle en verre. Depuis l'autre jour, moi les ma pipi en bas va pas faire mal et puis même là moi me gonti de l'eau ma baie dans qui l'autre même pas comprendre couleur même ma doc. J'ai l'impression madame François sous soi dit là, j'ai l'impression que son infection vaginale ou rien. Depuis l'école, nous avons appris toutes les règles de base hygiène qui sont bosser, peigner, baigner, propre corps en général. Mais quand les filles, nous mettons plus accent sur l'hygiène partie génitale féminine qui est bouboune. Partie ça tellement sensible et fragile, n'importe quel microbe qui attaque. Et une maladie qui fréquente les filles, c'est l'infection vaginale. Nous parlons plus d'explications avec le docteur Guerre qui parle de nous qui ça infection vaginale. Là, en suivre. Infection vaginale, c'est inflammation dans le vagin qui est capable de causer soit par un microbe, soit par un bagage en dedans du vagin qui a hérité vagin. En général, l'enfant qui a une infection ou une inflammation dans le vagin, l'absenti vagin, bouboune, ou sinon les deux, cap gratter. Et des fois même, la capable de gagner boule, brûlure en dedans du vagin avec en dehors du vagin, soit le pipi. Soit elle a fait bagaille. Et ça qui est plus important, ça nous est plus souvent, c'est que Fissa, il va vous manquer que pète vaginale est venue anormale. Nous sommes qui ça infection vaginale là, qui signe qui a présenté les gens qui ont infection vaginale. Kounia, nous parlons avec Ozias, docteur Guerre, qui différencie entre les pètes vaginales normales et les anormales, et qui signe qui a présenté le cas ça. Qui donc? Si vous avez une pète vaginale qui n'est pas normale, vous avez une pète vaginale qui est normale. Oui, Ozias. Au fait, pète vaginale, toute fille gagne, quel que soit l'âge, que vous formez, que vous pas formé. C'est seulement signe que toute bagaille a bien fonctionné dans le corps en fille, apparition pète vaginale. Mais des fois, tout, pète vaginale là, c'est expression en dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'on bagaille qui n'a pas marché bien dans le corps en fille. Des fois tout, ces signes ont infection dans le vagin. Qui donc? Pète vaginale sortit dans plusieurs côtés en dedans du vagin, mais particulièrement dans des glandes qui sont situées dans le col matrice. La glande, ça y a, chaque jour, y a sécrété un liquide glissé, qui a glissé des sangs avec germes, avec tout débris que le capable de rencontrer en dedans du vagin. Donc, nous sommes capables de dire que sécrétion vaginale, c'est un système de nettoyage en dedans vagin. Donc, système ça, les sous et contrôle des hormones, il y aurait les œstrogènes que toute fille a la caillou. Donc, aspect sécrétion vaginale, que nous sommes capables de perdre vaginale, tout, il va dépendre de l'âge de la fille. Quand on a une fille qui a 10 ans, qui n'est pas conformée, perte vaginale li pas sembler avec perte vaginale en jeune fille 22 23 ans qui formée et perte vaginale en fille qui gagne 22 23 ans pas qu'à sembler avec perte vaginale yon moun qui gagne 52 56 ans qui gagne arrêté. Donc perte vaginale yo tout aspect pour le varier avec date règle fille en tout parce que nous capable remarquer mesdames yo certainement que le nap ovulé, nous remarquons que nous avons plus sécrétion
en dedans que l'autre non l'un a ovulé. Pour qui ça? Parce que il y a un bagaille qui est les bouchons muqueux qui sont bouchons de liquide glissé qui boucher col matrice là pour empêcher spermatozoïde monter arriver dans matrice là sauf dans l'époque ovulation. Parce que dans l'époque ovulation bouchon ça a évacué à travers vagin hein? Et puis c'est les mêmes qui paraît dans culotte que mesdames yo connoué justement donc dans période ovulation hein, gain plus sécrétion. Donc aspect perte vaginale yo varie tout avec et comprimé mon embrun. Si on fait à sous grain planning perte vaginale yo a bon l'autre aspect parce que hormone yo que fi apprend pour planning là, li pral bouleverser système justement que nous sommes parlé là. Dans moment relation sexuelle, dépendant de qui niveau d'excitation, gagne de glandes qui chita en dedans bouboune qui aurait les glandes de Bartholin qui responsable au même tout pour yo produit un petit liquide glissé qui pour permettre que pénétration sexuelle la faite sans douleur qu'à fille. Donc liquide ça vient participer tout dans formation sécrétion vaginale. Donc pour demander tout à l'heure que est-ce que gain sécrétion vaginale qui normale? Moi je te réponds non, oui, il est normal. Et qui là nous ca en sécrétion vaginale normale, c'est lorsque il y a une couleur blanche ou bien il clair. C'est lorsque il pas en grande quantité, bien que quand femme enceinte et femme qui va téter ou gain avoir que sécrétion vaginale augmenter et surtout ce sont des sécrétions qui pas gagner l'odeur. Ça ça veut dire pas gagner mauvaise odeur. Et sécrétion vaginale qui est normale, il n'y a pas accompagné de signes que nous avons parlé tout à l'heure, qui c'est gratel, qui c'est canal boulé ou bien vagin boulé. Nous sommes les sécrétions normales, couleur blanche, li pa en pile, li pa gen l'odeur. Mais les anormales, non seulement couleur a changé de jaune à blanche, et puis li gen mauvais l'odeur. Kounia a découvert ensemble qui signe qui a présenté dans pète vaginale les filles gagne infection vaginale la même. Kounia docteur, ndaremon di nou comment pète vaginale la yé le gen infection dans vagin. Mais kounia, le gen infection dans vagin, pète vaginale là yo changé de couleur blanc et transparent que nous t'ai parlé tout à l'heure pour pète normal là ou pas gen en couleur qui vient jaune. Une sensation de blanc sale. Li pas en petite quantité encore, li pral vini en grande quantité et la bini pi pwès. Donc perte vaginale là, kay mon moun ki fait infection vaginale, li gagne mauvaise odeur tout. Ou après que c'est pas odeur ta habituelle, et puis son odeur qui dérange ou. Et puis par-dessus tout, son perte qui accompagné de boulé, c'est-à-dire leur pipi, vagin boulot, bouboune boulot, leur fait bagaille, vagin boulot, libre quand même rivé fort mal tout. Et puis, c'est en sécrétion, j'en nous t'ai dit, hein, qui vini pouès. Donc, lorsque il y a une infection en dedans vagin, perte vaginale vient changer aspect totalement. Si il était blanc et transparent, il était normal. Yo pral vini jaune, yo pral vini gen un aspect blanc sale. Si yo pas gen l'odeur avant, ou remarquez que li vin gagner l'odeur ou mauvaise odeur. Gen un type de infection vaginale même qui bon une odeur caractéristique que rele odeur de poisson pourri. C'est-à-dire ou gen impression qu'on poisson pourri dans zone là, c'est odeur ça et sécrétion vaginale là pral ba ou. Et à part ça tout infection vaginale pral fait que sécrétion vaginale yo pral venir pi pwès pi épais en grande quantité et puis fiant bien sûr li pral présenter des et gratel la pral gratter en pile la pral gratter soit en dedans bouboun soit dehors bouboun des fois même tous les deux côtés yo pral et pral gratter yo gen de fi même qui rive même à gratter anus yo parce que sécrétion yo glisser nan zone ça qui pral irriter peau anus là. OK, et puis en fin de compte, et fiant capable gagner et vagin capable gratter, li pral gagner bon moment capable gratter li avec li capable brûler le tout, le lap fait pipi ou bien le lapé fait bagarre.
Moi espéré que nous t'étendez à comprendre bien ça docteur Guerso dit nous sur pète vaginale qui anormal. Bam rappel nous que li important pour nous gain bon gens information sur gens corps nous a fonctionner et ta santé nous et les nous pète vaginale ça représenter qui ça pour nous faire c'est à le docteur pour nous connaître qui gens que nous ca traiter maladie ça. Bam qui le docteur Guerso reprendre pour nous qui ça pète vaginale là et qui gens représenter. Lorsque il y a une infection vaginale, la sécrétion vagin a changé d'aspect. De couleur blanche ou bien transparent que nous avons le normal, la sécrétion peut devenir jaune ou bien devenir blanc grisâtre. Des fois même, vous pouvez gagner des sécrétions purulentes, c'est-à-dire qui ont un aspect de pus dans le vagin. La sécrétion autour a gagné mauvais odeur. Kankou gagnent qui capable bail et odeur poisson pourri. Fille en tout capable plaigner que sécrétion yo vinn pi pwès, yo vinn en pi grande quantité. Et qualité sécrétion ça yo lor gen infection, yo toujours accompagné de brûlure, c'est-à-dire fille a senti que l'elle fin pipi ou bien pendant la fait bagaille, bougoun nan qui c'est vulve là, brûler le vagin a brûler et des fois même yo capable même vinn faire le mal. Et par-dessus tout, nous pas oublier gratelle là parce que type infection vaginale plus fort, yo bail en pile gratelle spécialement pour infection que nous pourrons peut-être développer tout à l'heure qui c'est infection à candida. Moi espérer que nous te comprendre. Ben me réfléchir mémoire nous, les filles a gain infection vaginale et puis gain pète vaginale, nous couleur sécrétion a changé, yo vinn pi plus et puis yo gain mauvais odeur. Kounia, on découvre ensemble qui ça qui la cause infection ça. On se parle tout à l'heure doc de vagin hein, qui a nettoyé tête des systèmes de nettoyage que vagin lui-même lui possédait pour que lui nettoyer tête lui. Mais qui ça qui la cause que yon fille a développé une infection vaginale. Vagin en fille c'est un canal, le canal ça est en contact avec environnement extérieur. Donc constamment vagin en contact exposé à des microbes tout le temps. Il y a même microbes que vagin gen en dedans li qui responsable protection vagin. Microbes sa yo c'est li yo rele bacilles de Doderlein. Yo même yo constitué flore vaginale vagin qui responsable justement protection vagin. Donc si nous avons tout système de protection, ça, nous avons sécrétion qui a nettoyé, nous avons bacille de Doderlein tout capé et protéger vagin. Pour qui ça en fille capable gagner infection vaginale. C'est justement parce que flore vaginale ça que nous sommes parlé hein, ou capable sans parler ou capable détruire. Oui. Qui ça capable détruire flore vaginale là? Gagne plusieurs facteurs qui capable et responsable des équilibres flore vaginal là. Nous allons parler de facteurs internes, mais nous allons commencer par facteurs externes. Facteurs externes, c'est lorsque on fille apprend antibiotiques ou bien lorsque on fille a amusé lui faire des toilettes vaginales à outrance. Tout le temps, la fait toilette lui avec des produits chimiques qui capable tuer flore vaginal ça. Donc, si tuer flore vaginal là, ça fait ou ouvrir porte pour toute l'autre qualité microbe rentrer la été corps envahir vagin et de ce fait entraîner infection dans vagin. Gain l'autre facteur externe qui capable responsable infection dans vagin quand comme mauvaise hygiène même j'en trop hygiène pas bon mais mauvaise hygiène pas bon tout parce que n'a rappelé nous que grand pile germe grand pile microbe cap vienne envahir vagin côté yo sorti dans anus là, ça a les petits trous d'air. Donc si vous avez une mauvaise hygiène ou bien si vous faites toilette de bon mal, ou à mesure où aller derrière poté devant, c'est poté ou poté microbes qui sortent dans anus là et puis vous allez coloniser ou envahir vagin avec des microbes qui pourraient entraîner infection. L'autre bagaille tout soit utiliser un mauvais glotou, un glot qui est tant contaminé, qui est tant gagné microbes là-dedans. C'est poté ou poté microbes dans vagin. L'autre façon capable poté microbes dans vagin tout c'est un rapport sexuel parce que gagner un pile germe un pile microbe qui est responsable d'infection vaginale c'est dans
rapport sexuel qui pas protégé, c'est-à-dire l'on pas mettre capote. Dans la catégorie facteur externe tout, faut nous pas oublier que fien puis ca c'est pas un germe qui a le problème, mais c'est on allergie le fait. On fait café allergie avec savon intime l'a utilisé. Les cafés allergie avec détergent que l'utiliser pour laver culotte li. Li capable faire allergie tout même si et si son fille qui remet à la piscine et puis li kawe que li dans la pédé infection chaque fois il saute en piscine, c'est peut-être parce que li fait allergie avec produit nettoyant que moun yo utiliser pour yo capable désinfecter piscine là. Gen l'autre type d'allergie tout que fille ka faire, li capable faire allergie avec nylon, avec polyester, avec des tissus qui pas fait bien. Et puis lorsque fille a porté vêtements trop serrés tout, li capable entraîner une irritation dans la vagin. Tout bagay sa yo. Gagner un autre type de infection qui qu'on développer lorsque en dedans vagin gagne un bagay qui pas doué là ou bien si y aurait les ça et présence de corps étranger. Mais qui corps étranger qui capable rentrer dans vagin, c'est on série de cotex, y aurait les tampons au lieu ces deux fille au météo là yo gagne yo yo introduit en dans vagin. Yo remarqué que fille qui utilise tampon yo yo gagne plus chance pour yo ou bien plus malchance pour développer infection vaginale. L'autre bagage qui capable introduire dans vagin tout, c'est capote avec latex là. Il y a des filles qui fait allergie au latex, donc fille est capable de venir dans la clinique et puis la plainte que oui, et à chaque fois qu'elle utilise le préservatif là, elle gagne une infection dans vagin. Donc tout ça, c'est des conditions extérieures qui sont capables d'entraîner une infection dans vagin. Pour nous, si nous parlons de conditions internes, nous allons parler de grossesse avec ménopause. Pour qui ça, deux bagages, ça y est, qu'on entraîne infection, c'est parce que ce sont des conditions qui débalancent l'équilibre normal, le système que nous avons parlé tout à l'heure. Donc, si il y a un débalancement, il y a une incapacité de flore vaginale là pour les reproduire, pour le développer correctement, pour le faire travail de protection vaginale. Là. Ok? L'autre facteur interne tout qui est capable d'influencer une fille, qui est capable et fait qu'une fille gagne plus tendance à faire infection vaginale, c'est lorsque fille a fait sucre ou bien lorsque fille a gagné germe sida, parce que toutes deux conditions ça a entraîné on diminution de force pour le goumen contre le microbe. Donc toute bagaille ça yo capable entraîner en infection vaginale. Et nous pas qu'à négliger tout le fait que stress avec fatigue, troubles, problèmes environnementaux ça yo yo gagne en pile effet sur équilibre système vaginal là tout, parce que bizarrement il y a remarqué que on fille qui gagne pile stress, on fille qui fatigué en pile, il gagne augmenter malchance li pour les gagner infection dans vagin. Nous sommes avec docteur Guerre qui ça qui la cause infection vaginale. Bon rafraîchir mémoire nous, c'est les femmes n'en prend plaisir n'en prend comprimé, prend plaisir n'en fait toilette li avec produits chimiques ou bien tout n'en prend plaisir pas fait hygiène quoi. Li so dit manque d'hygiène pas bon, trop hygiène pas bon. Mais espère que n'a mettez ça en pratique mesdames yo. Après nous fin fait différence entre cause externe à cause interne maladie infection vaginale là, nous voulons attirer attention nous sur importance examen laboratoire. Examen laboratoire c'est yo qui permet médecin prescrire médicament qui approprié à maladie qui gagne et permettre couper maladie si là. Examen laboratoire tout a permet même si maladie ça persiste dans la caillou, médecin a prescrire exactement médicament qui a agi directement sur maladie si là. Il est très important pour mesdames yo venir consulter dans l'hôpital là pressé. Parce que examen laboratoire est indispensable pour nous capables de faire diagnostic infection pour docteur qui a un médicament qui est adapté. Qui type d'examen mesdames a besoin et qui côté a besoin pour faire examen ça? En plus de examen routine yo tant que hémogramme, test à clôture cap nécessaire pour détecter cause interne à externe maladie. Toute femme qui présente signe infection ou sinon irritation dans vagin doit faire examen ça qui relève fourtie vaginale qui très simple qui pas formal. Leur vient faire examen ça
faut qu'on pas fait toilette, faut qu'on pas gain règle pour pas fausser résultat. Ou a vini dans laboratoire, technicien en bas yon applicateur pour passer dans vagin. Après ça, ou a mettre dans tube là. Lorsqu'il met dans tube là, ou a remettre technicien pour le faire examen pour les techniciens fin fait examen, résultat que le joignant la potel ba docteur. Docteur lui même pour dire à qui type d'infection qu'il en a fait, la bon médicament qui est approprié à infection. Examen laboratoire tant qu'au frotti vaginal là, nous joignent élément ça qui c'est leucocyte Trichomonas vaginalis, nous jouons bactéries, nous jouons cellules épithéliales, nous jouons levures simples et bourgeonnantes. Tout élément ça a cause de infection. Mais c'est médecin qui peut connaître qui médicament pour le bord pour adapter à qui type d'infection. Cause infection capable détourner dans corps malgré traitement bien fait, faut tourner l'hôpital pour docteur capable faire un examen qui disponible dans l'hôpital Notre-Dame SA qui relait qu'il dit antibiogramme. C'est examen ça qui va permettre que médecin ouais à qui type de microbe il en a fait exactement. Lorsqu'on fait examen ça, c'est très simple. Technicien a bouillon culturette et puis là-bas aller faire dans toilette là, ou prend applicateur ça qui c'est en tige ou passer dans vagin. Lorsqu'on passer, ou mettre dans culturette là bien fermé et puis on remet technicien. Les techniciens à l'analyser examen ça, li pral wè à qui type de microbe que qui t'a pédé tourné dans corps là. Les ça docteur bon médicament qui est approprié à microbe ça pour touyer microbe là. Nous comptons que examen ça disponible dans l'hôpital Notre-Dame SA 24 sur 24, 7 sur 7. Pour nous capables de détecter à quel type d'infection que nous en a fait. Chaque fois que nous venons dans l'hôpital Notre-Dame, nous sommes toujours contents pour nous recevoir les clients. Nous, pour nous capables de faire diagnostic que infection ça que nous en a fait. Pour nous capables de détecter toute qualité d'infection vaginale que mesdames ont souffert. Je suis Eddie Géhi, trésorier du conseil d'administration de l'hôpital Notre-Dame SA. Au nom du conseil, nous voulons souhaiter tout client, tout employé et tout actionnaire de l'hôpital là, bonne fête de Noël 2018 et bonne année 2019. Et dans notre conseil là encore, nous souhaitons nous toutes santé et prospérité. Nous pas seulement souhaiter santé et prospérité, nous voulons offrir tout
une bonne santé, une bonne qualité de santé à travers tout service nous offrons dans l'hôpital là et avec 20% rabais que nous offrons tout le monde qui prend service dans l'hôpital là pendant toute saison fête là jusqu'à 6 janvier et en même temps tout nous voulons offrir toute opportunité prospérité tout à travers programme créance convertible en action que nous mettons pour actionnaires qui l'a déjà eu pour être capable continuer à augmenter la participation dans l'hôpital là pour action yo pas diluer après augmentation capital que nous prévoit pour l'année 2022 et pour nouveaux actionnaires monde qui te veulent venir actionnaire dans l'hôpital là c'est une opportunité pour être capable commencer investir dans l'hôpital là à travers créance convertible en action yo. Et c'est un programme nous met sous pied pour capable aider yo, yo pas besoin immobiliser trop comme un seul coup, yo capable faire des dépôts et au fur et à mesure y a fait dépôt et puis comme ça a vienne produit d'intérêt et l'heure arrivée en 2022, tout comme yo te mette a converti en action. Prix action c'est déjà fixé pour yo à $120 et quel que soit agent action ta vienne pi vendre pi cher en 2022, yo même prix pa yo fixé à $120. Et pour vous faire participer, pour vous participer dans le programme, vous gagnez pour vous commencer avec 6 actions qui a fait $720 pour vous ouvrir le compte là. Et après ça, vous mettez comme la donne chaque mois. Et l'action a produit 8% d'intérêt par an. Et à la fin, à 2022, vous avez additionné principal et intérêt et vous avez converti pour vous en action. Et nous croyons que c'est pas seulement souhaite aux prospérités, je dis à nous offrir opportunité pour capable faire prospérité, pas seulement pour l'année 2019, mais pour tout le temps, ou à vivre, oui, prospérité, ça a passé à petit tout. C'est même gentil encore, nous disons, profitez tout de qualité santé que nous offrons dans l'hôpital là, avec 20% rabais sur tout service, excepté ce service ma pharmacie. Encore une fois, que bon Dieu bénisse nous tous et que l'année 2019 là, a une année bonne, prospère pour nous tous qui sommes dans l'hôpital Notre-Dame SA. Que bon Dieu bénisse nous. Après une fin ouais causio, qu'on y a en apprendre qui qualité ou bien qui quantité infection vaginale qui gagne à Ozias et puis docteur Guerre. Docteur, est-ce que il y a plusieurs qualités infection vaginale? Oui Ozias, il y a plusieurs qualités infection vaginale. Infection vaginale, la type infection vaginale là, il va dépendre de qui type de microbe qui est responsable. Ok. Mais infection vaginale qui pi courant, les vaginite à candida. Ok. Et son vaginite qui tellement courant que d'après Chifio, 9 femmes sur 10 viennent pour développer un épisode vaginite à candida au moins une fois dans la ville. Ok. Parce que plus fort femme, plus fort garçon, tout, ils ont gagné germes, ils ont gagné microbes là, ils ont même sans qu'ils soient pas obligés gagner signe d'infection. Ok, donc l'on fait développer et maladie ça qui se vaginite à candida, la peut présenter ça nous te ouais tout à l'heure, c'est question vaginale lui au quoi elle vient épais, il va venir poisse, il y a blanche, il y a venir quand cou lait caillé ou bien ou bien fromage, c'est ça fille après le dire. Ah, donc moi ouais, on sait de et sécrétion dans vagin quand cou c'était lait caillé ou bien c'était fromage. Mais grand pile fille tout qui pas ouais sécrétion, c'est dans examen
physique que le docteur a pral fait. Okay. Il pral aller mettre spéculum et puis il pral voir que sécrétion a collé dans vagin, dans paroi vaginale là, il a collé sous colmatrice là tout. Okay. Et après sécrétion vaginale qui blanche, qui épais, ou après que fissa a gagné en pile gratté qui c'est signe caractéristique et mycose vaginale ça, il ba en pile gratté et puis fille a tellement gratté que la pral la irrité toute partie et sexuelle, que ce soit vagin, que ce soit et vulve là, bouboune. Okay. Et puis partie ça pour avoir tendance venir enfler. OK. Voilà. Okay. Donc vaginite à candida en général, yo ces filles qui fiancent quand fait l'empile. Filles qui fait sucre. OK. Fait l'empile tout. Okay. Donc son vagin qui est très courant. Caractéristique la jambe d'Olan, c'est sécrétion lait caillé, c'est gratella, et puis c'est œdème, c'est la partie sexuelle qui va venir enfler, il y a une touche tout, et puis depuis fille a pipi la bdou, bah, la boulée, donc il boule. Donc c'est ça, imagine ta candidat. Ok. Nous sommes type yo ak docteur Guerre, mais yon nan yo ki pi fréquent c'est vaginite à candidat. Qui j'ai présenté lui-même, sécrétion vin bout, femme n'a gen douleur, femme n'a gen gratel, li konn fait tellement gratter, li même enflé vagin. Et tout, infection ça dépend de type de microbe là. Ça qu'arrive microbe là sinon allergie moun nan prend ou bien dans l'eau que la fait toilette li. Kounya, nous pral wè ensemble qui type de traitement qui gagne pour couper infection vaginale ça. Donc, est-ce que infection vaginale sont maladie qui grave en pile? En principe, infection vaginale, tu as supposé traiter bien vite. Bien que, quand il faut enceinte, tu as supposé avoir une considération plus spéciale. Parce que, petit bébé, il est plus sensible à quel que soit germe que tu as attrapé dans maman. Mais, il y a un pile d'études qui fait ce problème ça et qui montrent que une infection vaginale qui est mal traitée ou bien qui n'est pas traitée du tout, capable d'entraîner des complications. Tête chargée, spécialement dans le cas d'une fille qui est enceinte. Quelle qualité de complication comme ça qui a gagné dans le cas où une fille pas suivre bon genre traitement pour traiter une infection vaginale? Eh bien, dans le cas d'une fille qui a une infection vaginale et puis qui est maltraitée ou bien qui pas traitée du tout, ou capable que fille ça lui développer ça y aurait les maladies pelviennes inflammatoires, c'est-à-dire fille a développé des douleurs récurrentes, c'est-à-dire une douleur pas jamais capable, elle a fait bagaille, il y a une douleur, elle vient régler, il y a une douleur. Donc il vient gagner un état inflammatoire chronique, j'aurais les là. Et puis fille ça tout, il est capable, s'il pas gagné état inflammatoire chronique là, il est capable de développer et s'il arrive à opérer pour une raison pour l'autre sous matrice là et puis vagin une infection là-dedans, il est capable de développer une inflammation ou bien une infection post-opératoire, c'est-à-dire il finit d'opérer sous matrice là parce que tu as une infection hein, et puis il y a complications opératoire là et puis mon a développé des infections côté qui fait que la obligé était plus l'hôpital là et puis il est capable plus compliqué pour lui lorsqu'il y a une infection lorsqu'il est opéré. Mais quand une femme enceinte là bagaille là il vient plus compliqué parce que quand une femme enceinte qui a une infection vaginale qui pas traitée ou bien qui mal traitée, si mon n'est capable venir en danger comment? Premièrement, poche des os si mon nan capable péter, ça aurait les ruptures prématurées des membranes. Et puis depuis poche des os si mon nan péter, si mon nan vient pas une protection encore, donc il est capable d'entraîner que si mon nan obligé fait avant lui. Ok? Qui l'autre complication quand une femme enceinte l'entoure, ou capable de que membrane ça aurait nous t'as parlé. À poche des os c'est des membranes qui protègent si mon nan, c'est comme si mon nan il non œuf. Non coque. Donc membrane ça yo li vin attraper virus tatou, membrane yo vin infecté et relé et affection ça chorioamnionite. Son complication grave lié parce que justement li même tout vitim on en danger, vi maman en danger parce que de chorioamnionite li capable entraîner en endométrite, c'est-à-dire en infection de matrice là tout. Et puis si que fils ça qui est enceinte là c'est à obliger, c'est section césarienne que tu as fait pour lui. Il y a une infection dans le vagin. Justement, infection qui a quitté le vagin et puis tombé dans la matrice là, qui peut entraîner justement, ça ne t'a pas parlé tout à l'heure, une endométrite qui est une infection matrice là, qui sont infections très graves,
parce que il est capable même de rêver dans perdu la ville ou bien perdu matrice là. Maintenant donc, après tout ça qui vient de là, femme en danger, petit monde en danger, donc en fait gampel bagaille qui est capable de arriver, c'est sûr que c'est des bagailles que vous êtes supposé prendre très au sérieux. Et si oui, quel type de traitement que vous êtes capable de faire qui a un signe, en fait, qui t'a semblé une infection vaginale ou bien qui fait infection vaginale. Maintenant, quel type de traitement qui a pour vous? Est-ce qu'il y a un traitement oui, qui est disponible? Donc, il y a un traitement? Oui, alors, heureusement qu'il y a un traitement. Traitement, tu as supposé et commencer automatiquement que le diagnostic l'a fait. Le diagnostic là, c'est un diagnostic de laboratoire, c'est-à-dire qu'il faut que le prélèvement vaginal fait, sécrétion ça on a parlé, il faut que nous fait prélèvement, voyez le spécimen là au laboratoire et c'est le laboratoire là qui va le bail tout détail, qui va l'identifier, ce qui germe, qui est en cause. Donc il est important que le diagnostic l'a fait. Donc depuis le diagnostic l'a fait et puis nous connaissons exactement qui germe, qui microbe qui est en cause, ou capable et commencer traitement et traitement là peut adapter à microbe là qui est en cause là. Comprendre? Mais ça qui est important tout, j'en note ouais tout à l'heure, il est important pour nous mettre accent sur facteur favorisant. C'est-à-dire facteur, que ce soit facteur externe, que ce soit facteur interne qui est responsable infection ça, on suppose identifier et on suppose agir sur lui. Comme exemple, si son fille qui est diabétique, son dame qui est diabétique qui fait sucre, il faudrait pendant à traiter infection vaginale là, il faudrait tout que nous prenions les mesures qu'il faut pour stabiliser le sucre là dans son monde là. Maintenant, si son fille qui a fait une réaction allergique à un produit quelconque, soit à tampon, soit à capote, à un préservatif qui fait en latex, ou supposé faire counseling avec FISA pour être capable de comprendre ce qui passe et pour être capable de commencer à faire retirer agent allergène ça qui a bali les problèmes. Donc, traitement à deux niveaux, ou à traiter germes, microbes là, leur fait diagnostic là, bien sûr, et puis ou à traiter facteurs favorisant l'infection vaginale. Comment se dit nous taléa, traitement qui gagne pour infection vaginale? Mais traitement important, mais prévention plus important. Là, quand nous même haïtiens, nous plus basés sur traitement que prévention. Parce que nous toujours pensons que nous avons gagné tête nous pour compte nous. En nous ensemble, qui prévention qui gagne, les enfants présentent infection vaginale. Après tout ça, nous avons entendu là, docteur. Maintenant, qui ça, ils ont fait à supposer fait? S'il t'a senti que le gain si ça yo, mais s'il t'a ouais que le gain si ça yo. Très belle question, Osias. Depuis, on fit a gain sensation justement que Jean ouais qu'on l'a changé surtout dans sphère et vaginale là, quand c'est les ouais ses pressions yo venir en pile, les gain commencé gain symptômes quand ou boule, canal boule ou bon nan boule la pipi ou bien la fait bagaille, li supposé venir l'hôpital. Et spécialement dans l'hôpital Notre-Dame, nous avons tout ce qu'il faut pour nous faire prise en charge là. Nous avons un gynéco entraîné, nous avons un staff de techniciens laboratoire qui est entraîné justement pour nous faire diagnostic microbe là. Ça veut dire les germes qui sont responsables d'infection. Et sans diagnostic, ça, j'en ai là, il n'est pas possible pour faire bon traitement. Il n'est pas possible pour vous mettre les mains sur le microbe là pour appliquer justement bon traitement. Donc, mesdames, c'est pour nous venir, car le docteur venir dans l'hôpital Notre-Dame pour nous capables de jouer un bon genre de soins pour traiter l'infection vaginale. Qui, s'il pas traité ou s'il mal traité, nous sommes parler de toute complication qui est capable de arriver nous ou bien petite qui n'en va pas contre. Qui peut rappeler tout le monde que l'hôpital Notre-Dame SA est dans deux adresses. D'abord, au CAI, sur route nationale numéro 2, à côté lycée Claudie Muzo. Et dans Gonaïve, c'est Nauriel elle et lui, numéro 11, et avant même pour prendre Carrefour Turenne. Moi, j'espère que nous tendez à comprendre qui importance prévention en gain dans la maladie, surtout maladie infection vaginale. Dans la culture pas nous en Haïti, nous toujours pensons que les gens qui anormal la caille nous, yon simple comprimé ou bien yon simple petite ka guérir. Mais prévention permet que maladie a pas ni gagné encore ni fait plus dégâts.
Dans ce sens, nous invitons à retendre encore Dr. Guerre qui peut apporter plus de détails toujours sur l'importance de la prévention sur la maladie infection vaginale. Et dans l'hôpital Notre-Dame SA, nous avons tous les médecins, nous avons tous les techniciens de laboratoire qui ont fait prise en charge et tests pour éviter la maladie infection vaginale, tuer ou bien faire plus de dégâts qu'à les femmes. Depuis on fit une sensation justement que genre ouais a changé surtout dans la sphère et vaginale là quand c'est les ouais sécrétion est venu en pile les gens commencent les symptômes quand on boule canal boule ou bien bon boule la pipi ou bien la fait bagaille les supposé venir l'hôpital. Et spécialement dans l'hôpital Notre-Dame, nous avons tout ce qu'il faut pour nous faire prise en charge. Là. Nous avons un gynéco entraîné, nous avons un staff de techniciens laboratoire qui est entraîné justement pour nous faire diagnostic microbes. Là. Ça va être les germes qui sont responsables d'infection. Et sans diagnostic, ça, il n'est pas possible pour faire bon traitement. Il n'est pas possible pour vous mettre les mains sur les microbes là pour appliquer justement bon bon traitement. Donc mesdames, yo, c'est pour nous venir car docteur venir dans l'hôpital Notre-Dame pour nous capable de joindre bon gens soin pour traiter infection vaginale qui s'il pas traité ou bien s'il maltraité, nous sommes parler de toute complication qui capable priver nous ou bien petite qui n'en va pas. Après nous finir avec docteur Guerre qui prévention qui gagne pour maladie infection vaginale là, nous souhaitons tout qui traitement qui gagne, nous souhaitons tout qui gens infection vaginale là qu'a présenté, nous te ouais pète vaginale qui normal, les li gagne couleur blanche, il pas gagne l'odeur, les li anormal c'est les que gagne couleur qui jaune et qu'il gagne vieux l'odeur, qui ça nous doit faire, c'est courir à l'hôpital faire test yo et l'hôpital Notre-Dame SA gagne toute technicien laboratoire qui présent qui est donc tout qui prend en charge maladie ça pour pas dégénérer comme ça tout même si nous connaît tout ça pour nous faire c'est à l'hôpital faire test yo mais des petits conseils de base nous gagner que nous pourrions proposer pour faire yo parce que maladie infection vaginale c'est une maladie qui très importante qui très grave qui capote des complications à l'avenir en suivre avec Miss Lan qui parle de madame François tout conseil que l'ICA mette en application pour éviter maladie infection vaginale là rentrer la caille. Madame François, pour éviter infection ça, pour encore tout ça m'a dit là très important pour appliquer. Là fait toilette tout ou qui doit faire une ou deux fois par jour. Pas utiliser savon qui senti bon. Et puis là fait toilette tout pas fouiller doit en da bouboune pour éviter infection. Et puis tout, l'eau lave boubou, nous lave seulement dehors. Sorti devant, aller dehors. Pas utiliser produits chimiques pour faire toilette. Et ceci, docteur t'a prescrit. L'eau sorti, évitez mettre pantalon qui trop serré sur vous. Et puis mettez kilot coton, évitez mettre petit kilot filio, ça aurait les tangailles. Puis toujours mettez kilot dans le soleil, l'eau fin laver. Vous comprenez? Et puis, les gens font des choses ou bien l'autre partenaire toujours utiliser capote. Oui, miss. Merci en pile. Je souhaite que je prenne toutes sortes de choses et mette en application comme ça pour éviter les choses qui viennent sous moi encore. D'accord, madame. Bien content de comprendre. Dans l'émission aujourd'hui, nous sommes parlé des infections vaginales. Nous avons tout conseil, toute prévention, tout traitement. Émission ça, c'est la santé à votre portée. Nous connaissons émission ça, c'est l'hôpital Notre-Dame SA qui mettait sous pied pour permettre à la population d'arrêter branchée avec la santé. Nous espérons que vous mettez tout conseil ou tes jeunes en pratique, toute prévention et tout pour éviter maladie ça, faire ravage la caille, surtout mesdames. Nous espérons que nous avons l'autre fois pour notre plus belle émission.
En Haïti, nous utilisons plusieurs façons pour nous souhaiter des amis, des familles, joyeux Noël et bonne année. Des fois, nous pour des fleurs, nous pour des cadeaux à grand pile l'audience. Mais nous toujours misé sur question santé et prospérité. Dans souci pour nous souhaiter tout le monde une bonne année, l'hôpital Notre-Dame est installé 20% rabais sur tout service. 20% sur accouchement, 20% sur opération, 20% sur radiographie, 20% sur mammographie, examen laboratoire, endoscopie, sauf médicaments, consultation chirurgie, gynécologie, 20% pirette. Comme dans ton Noël, c'est pour Timounio les fêtes, 20% sous consultation pédiatrie, Timounio sauvé. Nous acceptons assurance CONAM, OFATMA, EIC, INASA, CAH. Spécial là, commencé 1er décembre pour arriver 6 janvier 2019. Allez, Kounia, dans l'hôpital Notre-Dame SA, Kyokai, sous national numéro 2, Bergeau, à côté lycée Claudie Museau. Téléphone 37 31 13 48 40 69 99 10. L'hôpital Notre-Dame SA, la santé à votre portée.